Plop, les gens de retour dans Graveyard Keeper. J'ai plus de stock ici. Est-ce que je peux faire une ou deux malles de plus? C'est peut-être pas bien de stocker les malles à l'infini, mais... Allez. On va se faire quelques malles de plus et... ira bien. Ça aussi, ça peut faire que ça aille mieux. Voilà. Alors, ce que je me disais, c'est qu'on va poser on va vendre le certificat d'inhumation et on va se faire du donjon. Je suis pas certain de moi, mais c'est comme ça que ça se dirige. D'ailleurs, est-ce que je peux essayer d'aller à la ville ou pas? J'ai pas réessayé, vu que la dernière fois je me suis fait électrifier, on va dire ça comme ça. J'hésite à y retourner. Dans le même temps, ça se trouve, à un moment dans le jeu, on débloque la ville, je ne sais pas. Cheval mort. J'ai une épée. Oui, j'ai une épée. J'ai eu peur. Je crois qu'on est passé deux fois dans ce niveau, qu'on l'avait toujours pas fini, mais vu que j'ai dit je crois, je me souviens pas du tout, ni trop par où j'ai été, même si je pense que là je fais exactement le même chemin, ouais, ni surtout jusqu'où j'ai été, jusqu'où j'ai avancé, là où j'ai... laisser des choses, ce genre de truc. Ou j'ai laissé des ennemis. Si j'ai vu la sortie mais qu'il me restait que cette salle ou quoi. On va en bas, je sais pas. Ok, en bas il y a déjà une salle que je n'ai pas faite. Oui, Y. Non, oui, c'est bon. Sérieusement, j'ai déjà plus de place. Ça c'était des graines de betterave. Je peux prendre une bière et des oignons. Un oignon et des bières plutôt.
Du coup, continuez. On va prendre un oignon. Et un peu de pierre. Ouais, non. Trop d'objets, trop d'objets. Alors les clous, c'est rigolo, mais j'en ai déjà pas mal. Oh, le jour de l'inquisiteur, ça me fait penser. C'est ici. Celle de chauve-souris. C'était censé être là, je crois. Je crois. Ferraille, c'est là-haut. Ça, c'est à droite. Ça, c'est là-haut. Ça, c'est là-haut. Ouais. Bien à mer ou autant en profiter. Là, les clous. Et ici, les... Non, le seau de vin, du coup, je l'ai utilisé. Ah, c'est ça aussi que je voulais... Je voulais passer voir Cloto et lui acheter les pommiers. Et je voulais... Plein de choses. Non, mais je l'ai déjà vu. D'un épisode à l'autre, j'oublie tout. De 50, j'étais plus très sûr, mais c'est censé me permettre de faire quelques bières. Ce que je voulais faire aussi, oui, les lentilles optiques, tout ça, on verra. Ce qu'il me faut surtout, c'est des burins en acier. La souris, tu t'en vas.
Et du coup, pour augmenter les burins... Parce que là, j'en ai, ouais. Faut des lentilles. Les lentilles, ça se fait avec de la pâte à polir, donc de l'huile, il me faut. Donc là, faut que j'aille chercher de l'huile, du sable. Et voilà. Et la foi. Donc on va chercher pas mal de sable, en fait. Au lieu de redescendre tout de suite dans le donjon, même si ça m'intéresse, enfin, c'est ce qu'il faut aussi. Je vais prendre pas mal de sable pour pouvoir faire du verre, des lentilles, tout ça. Et du coup, pouvoir avancer aussi la quête de l'évêque. Sachant que je n'ai pas toute mon énergie, ni toute ma vie. Du coup, ça m'intéresse aussi de me soigner. Là, il veut plus, pourquoi? Parce que... Il a décidé qu'il n'y avait plus de sable? Pourquoi? Moi, j'ai pas décidé. Sachant qu'il ne faut pas tout mettre à se transformer. Bilipim. Tac, tac. Alors. Du verre. Par lequel ils ont commencé. Aucun, ça me va. Ce serait pas mal que tu me fasses quelques décorations. Ah, mais tu peux pas faire des décorations en marbre encore. Quelques croix en pierre 2 là, ce sera déjà pas mal. Et de la pierre polie. X, tac. Quelque chose comme ça. Quelques géminaires. Tant pis. Alors, voilà. J'ai un peu de verre. Faut de la pâte à polir, donc de l'huile et quelques bols en céramique aussi. Pour le faire.
appliquer là. Et le rajouter ici. Le déplacer ici. Voilà, comme ça, tous les types de verres sont au même endroit. L'argile, on le met à gauche. Voilà. Ensuite, on va vérifier le... Non, pas fini. Est-ce qu'on peut aller voir Clotho tout de suite? On pourrait. Quoique, je suis pas sûr qu'elle soit ouverte de nuit. De vin là, ouais. Je vais aller vendre mon vin. D'ailleurs, soit j'ai totalement zappé, soit 90 pièces d'argent. Cool. Soit j'ai totalement zappé, soit je n'ai pas eu de. Par l'extérieur, ce sera bon. De mémoire, le là, je peux avoir genre 80 auprès du meunier. Comment j'ai 80 auprès du meunier ou de Radric, du tavernier? Il me semble que quand je leur vends des choses, ça augmente pas, quoi. C'est que des missions. Genre, le jeu nous fait croire qu'on pourra rentrer dans les maisons des gens, mais en fait, non. Ou alors on peut, mais je ne sais pas comment. Elle est pas là. Il me semblait qu'il suffisait d'être là en journée pour qu'elle soit là. Apparemment non. Ici, j'avais oublié qu'on pouvait pêcher dans le jeu.
On peut avoir ce lingot de fer. Ça me perturbe. Pourquoi il y a plein de lingots de fer dans les marais? À part pour faire un succès, vous avez réussi à prendre tous les lingots de fer du marais. Je ne comprends pas. Et pour le moment, je n'ai pas ce succès. S'il y en a. Autant si ça avait été des poteaux d'argile, ou je sais pas comment dire ça, mais de l'argile quoi. Je sais que l'argile retient l'eau, et du coup le fait d'avoir des marais, c'est ça, il se peut que ce soit de l'argile en sous-sol. Mais du fer, par contre, j'ai plus de mal à comprendre. D'avoir des... Oh, pas tant que ça. Juste 21 pièces d'argent. L'objectif d'avoir le 12 pièces d'or pour avoir les papiers de gens importants, là, d'aristocrates, voilà. Mais bon. Oh non! Quand j'allais enfin enlever le dernier normalement le dernier bout de fer des marécages, pim, on casse la pioche. Alors ici, on peut...
tout le fumier qu'on peut. Oula, beaucoup de verre qui a été fait. On va prendre tous les bâtons qu'on peut. On va peut-être réparer tout de suite la pioche tant qu'on y pense. Et... on place autant de pommiers qu'on le peut. Super. On a juste ce qu'il faut. Bon, par contre... je dois avouer que le... qu'on n'aura pas le temps de voir avec l'évêque. Hein. Sérieux? Oui, on veut prononcer des mots, que l'église est merveilleuse, que c'est peut-être sûrement bientôt une cathédrale. Allez, on avance. Récolter 8 et 4. Oh, il y a un bouquin quelque part. En plus. Je suppose que du coup... c'est un bouquin de... que j'aurais peut-être pu le monter. On verra plus tard du coup pour monter la foi. Quoique... on va en monter 20 fois. Eh oui, 6 bouquins verts, ça prend 2 slots. Mais Cloto pour le dernier bout de ferraille qui reste à dépasser du sol. Juste pour en avoir le cœur net sur cette histoire de succès potentiel. En tout cas, je n'en ai pas pour le moment. On verra dans 5-10 secondes.
Ou si ça se trouve, j'en ai oublié un. On est peut-être oublié, hein. Pas vu en tout cas. Plus qu'oublié. Enfin, pas vu récemment. Si ça se trouve, je l'avais vu la toute première fois. Et... bon, on peut peut-être pas me reprocher de ne pas avoir... d'avoir oublié un truc que j'ai vu il y a 25 épisodes, une cinquantaine de jours IRL, voire plus. Quelques mois là, 3-4 mois plutôt. Tac. Alors, le fer, on peut te mettre là. Bâton. Pas posé la foi. On va reprendre l'eau et on va poser la foi. Genre t'as pas bonne mémoire. Salut barbu. Non, pas à ce point là. Le truc épisode 2-3 là, non. Pas quand j'approche de l'épisode 40, même si j'y suis, pas tout de suite. Bonsoir. Ah. la tour, bon, on la repose. J'ai du verre sur moi. Des plaques de verre. Dililou. Je l'ai posé là, non? Je sais même plus. La place, il n'y a pas la place. Tac. Ah, l'huile, j'ai pas remonté de l'huile. Tac, tac, tac. Je sais même plus comment on fait de l'huile. Alors que ça, on en a fait il y a moins récemment. Du coup, c'est quoi mon objectif? T'arrives juste. Alors, comme d'habitude, il y a beaucoup d'objectifs. attends, je regarde juste pour l'huile. Là, je vais en prendre une dizaine. Du coup, aller dans le souterrain, me battre contre des chauves-souris enflammées. Ça, c'est mon objectif en ce moment, on va dire. Sinon, t'as loupé qu'avec le marchand, en bas à droite, là, je lui ai donné les dîners qu'il voulait, je les ai faits, je lui ai donné. Et du coup voilà. Du coup, il y a la suite. Et il y a aussi l'évêque que je fais un petit peu en même temps. Il veut ses statues en qualité or, mais c'est beaucoup. Ouais, des chauves-souris enflammées. Il y a des mouches aussi qui lâchent de la poudre aléatoire, suivant la mouche. Tac. Non, là, on peut même plus poser. Je me suis refait des stocks aussi, parce que comme tu peux le voir, tous les 4 premiers coffres sont pleins. Du coup, j'ai dû me faire quelques stocks de plus. 3 pâtes à polir. Trois, quatre trains. Voilà. Et on va te dormir. Je vais les garder sur moi. Mademoiselle Charme, faut qu'on aille en ville, faut qu'on aille la voir. Il faut qu'on aille la voir. Encore arrivé. Alors qu'est-ce qu'il me fallait exactement? Il me faut des burins en
acier doré. J'ai des burins en acier dégueulasse. Ok, oui, donc c'était bien des lentilles qu'il me faut. C'est où? C'est là. Je vais faire ça, le maximum. Ah oui, Mademoiselle Charme. Mais c'est pas son nom de naissance. Ça, on l'a appris. Elle a pris ce nom. C'est une bohémienne à la base. Alors. Ouais. Tac. Intérêt à me le monter, ouais. J'ai un burin en or. Ça va suffire pour le moment. Et là, on a vu que les concerts, qu'elle faisait des concerts privés aussi. C'est son nom actuel parce qu'elle est bonne. elle est bonne, je sais pas, hein, pour moi, ça reste qu'un tas de pixels, hein. Ça doit être des beaux pixels, le pixel art. On n'a pas d'image plus grande que celle qu'on voit là. D'ailleurs, on va la voir tout de suite. C'est déjà midi. Voilà. On va la voir tout de suite. Ah bah ouais, je suppose elle est bohémienne, elle est d'origine bohémienne. Sa mère est bohémienne, son père est devenu astrologue, un gars de la ville, un vieux maintenant. Puis elle veut pas en entendre parler de son père, et lui pourtant il aimerait bien renouer les liens, puisqu'il était pas au courant qu'il avait eu une fille. Il y a ça dans l'émission du coup, c'est celle-ci là en rouge. Je commence par vendre ça. À vendre un peu de bière, je crois 26. Voilà. C'est bête parce que je peux pas lui voir. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? Je peux pas lui donner les papiers d'aristocrate, il me manque 50 pièces d'argent pour finir mes 12 pièces d'or. Quoi? Pourquoi ça apparaît? Que maintenant, peut-être parce qu'il fallait d'abord que je donne les. J'aurais des questions. Non, pas de questions. Avez-vous entendu parler du marketing? Je me demandais si vous pourriez m'aider. J'aurais besoin que vous fassiez la promotion de mon entreprise en ville. Pourriez-vous raconter un peu partout que vous aimez les légumes croque-la-mort et qu'ils vous aident à rester belle? Pardonnez-moi, mais ce n'est... Ne vous rendez-vous pas compte, ce nom est... Comment dire? Croque-la-mort. Ouais, c'est peut-être un peu moyen, mais nos légumes sont cultivés dans le cimetière. Et ils sont frais et croquants. Alors, du coup, je peux vous payer. Oh, je n'ai pas besoin d'argent, mais je pourrais accepter des bijoux. C'est encore pire à voir. Il n'y a pas longtemps, il y a bien longtemps que je n'ai rien pu trouver de nouveau en ville. Enfin, je sais plus quelle voix je faisais, c'était pas celle-là. J'y arrive plus. Mais à part de vieilles bagues et des boucles d'oreilles démodées. Il paraît que vous êtes plutôt doué. Vous avez plutôt bien décoré votre église. Peut-être pourriez-vous me confectionner des bijoux? Quelque chose avec un motif lié au cimetière. Ainsi, je ferai la promotion de votre entreprise. Et puis, si vos bijoux sont vraiment beaux, je pourrais les revendre à bon prix en ville. Des bijoux. Je veux pas faire des bijoux. Bon. Du coup, le papier d'aristocrate et les bijoux. Super.
Ah oui, et d'ailleurs la taverne, comme tu vois, elle s'appelle Cheval Mort, Dead Horse. C'est même remarqué ici, le cheval mort. Du coup, il faut lui faire des bijoux. J'ai pas d'eau pour faire de la bière. C'est trop chiant de souvenir des voix. Ça me fait souffrir aussi, oui. Mais surtout que moi, j'ai pas de logiciel en me disant, bah, voix 1, c'est machin, voix 2, c'est bidule. Puis là, je sais pas, j'ai pas réussi à faire une voix plus aiguë que ça. Oui, bon, j'ai pris un peu d'eau. Oui, du coup, les bijoux. C'est ceux-là. Donc, pour faire cela, il faut des fragments de bijoux en or et un diamant à facettes et de la foi. Pour avoir des fragments de bijoux en or, il faut un lingot d'or, une pièce en acier et de la foi. Donc, du coup, en fait, je peux faire ça. Ah oui, ça va prendre 50 ans. Ça aide qu'à moitié le logiciel. Oui. C'est vrai, ça dépend des voix. Donc j'ai mon bijou en or que je vais pouvoir stocker parce que... Enfin, le fragment de bijou en or. Parce que ce n'est qu'un fragment. J'ai déjà plus d'énergie. J'en ai même pas pris assez. La question, est-ce que je fais avec 30% de chance d'avoir des têtes en or là? En plus, il faut 5 de plus. Non, non. Faut que j'attende d'avoir le maçon là. Faut que j'attende d'être maçon. La compétence maçon. Comme ça. Normalement, ça sera 100% ou pas loin. Et du coup, je pourrais, avec à peu près 100% de chance, faire les statues pour l'évêque là en bas. Là, il me demande toujours les papiers. Bref, se reposer, je crois. Et après, on va direct au sous-sol. Personnage, qu'est-ce que j'ai en trop sur moi? J'ai de la bière en trop. Je sais pas là si la pierre de foyer c'est un TP pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Là, on va en mettre la moitié. Voilà, parfait. Faire quelques bûches, voilà, 0, c'est parfait, on a fini toute notre énergie, on va se coucher. Ah, j'ai déjà plus d'eau. Voilà, alors le jour du marchand, c'est pour lui qu'on allait voir Mademoiselle Charme. De stratégie avec le marchand. Ah oui, faut quand même que j'aille le revoir aujourd'hui. Fallait que j'obtienne l'aide de Mademoiselle Charme. En gros, il veut qu'elle charme le chef des cuisiniers pour avoir pour se faire promouvoir. Le mec s'emballe avec 50 bières. Bah. Non, là il y en a que 30. La dernière fois j'en ai vendu 60, je crois, parce que j'en avais 60 plus encore une vingtaine sur moi. Alors, comment s'est passé le dîner? Oh, le dernier. Le dîner était absolument divin. Nous avons gagné des soutiens au Conseil Royal. Je pense connaître un moyen d'obtenir le soutien du Conseil Royal. Lorsque vous serez prêt, mon ami, je vous expliquerai mon plan. Bah, je suis prêt.
Non. Bon, est-ce que j'achète une gemme qui me coûte 30 pièces d'argent? Ou est-ce que j'espère un jour que mes zombies en récolteront une? Je crois que si je veux avancer la quête, faut que je lui achète. Graines de vigne en or, oui, mais c'est de la vigne. Oui. D'ailleurs, je vais en vendre une dizaine de bières. Tac. Parce que comme ça me libère un slot. Terminer l'offre. Tu vois, tout ça là, c'est peut-être pas celle-là. Mais du coup, c'est toutes les bronzes à peu près, c'est celles que je lui ai vendues il y a moins d'une semaine. Donc 20, 40, 60, 80, 83, mais je ne lui ai pas vendu les 3. C'est qu'il en a écoulé quelques-unes suivant le jeu. Donc je lui en ai vendu plus de 80 en une ou deux semaines, là, in-game. Et je te promets, je les ai pas ramenées une à la fois. Du coup, tiens, palette. Oui, et c'était marrant parce que il disait à Mademoiselle Charme, les fruits croquent la mort. Oula. Mais en fait, croquent pas tant la mort que ça. Hein. Si je dois être parfaitement honnête. Si je dois être parfaitement honnête, je vends que des clous. Parce que c'est le plus simple à produire à la chaîne. Et du coup, c'est pas si croque la mort que ça. Oui, bijoux en or ici. Voilà. Alors, on pose ça, on pose ça, on pose le bijou en or. On va poser l'histoire au sous-sol. Au final, j'ai deux lignes quasiment que de consommables. Et ça m'encombre un peu. Mais les vendre, ils les achètent à pas si cher que ça. Du coup, autant les garder et les utiliser petit à petit. Et ben, il a de quoi faire le Salig. Ouais, bah c'est le tavernier en même temps. C'est son boulot de vendre de la bière. Oui. L'histoire, c'est ici. Moi, j'ai de quoi me goinfrer. Est-ce que j'ai des potions? Tant que j'y pense. Je sais plus si j'ai une potion rouge qui traîne ou pas. J'ai pas de potion. Pour en faire une. Je peux en faire. Solution de santé et poudre de vie. Ouais, je vais me faire une potion. Ouais, mais je suis sûr qu'il garde la moitié pour lui. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Ou il en profite quand des gens payent la tournée, tu vois, et il s'en prend une. Qui, du coup, je lui ai vendue, mais il l'a revendue un peu plus cher au client. Et il l'a bu gratuitement. Je pense que c'est comme ça qu'il fait. Hein. Dans un petit village où on emmène tous les cadavres de la ville pour se faire enterrer ou brûler. C'est bien comme ça qu'on ferait, non? Est-ce que c'est bien par là? Le passage, oui. C'était en bas, il me semble. Non. En bas, c'était ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. C'est ça. J'avoue, comme ça, il se fait payer des coups par les autres, ouais. Ah bah, être tavernier. Certains diront un boulot de rêve. Donc voici les chauves-souris enflammées. L'araignée qui pique aussi. Et le tas de mouches. Voilà, j'ai déjà plus de place. Là, il y a un oignon qui reste. Je vais quand même manger le beignet. On va
va avancer un petit peu. Oh, c'est une graine d'oignon en or. Celle-là, par contre, je ne peux pas. La laisser passer. Comment ça? Oui, il a dû la récupérer. Les mouches multicolores, oui. Enfin, elles font tomber des trucs multicolores surtout. Des poudres multicolores, voilà. Ok, et du coup, avec ça, on finit le niveau 7. Par contre, là, il y a une poudre que je n'ai pas prise. Je vais prendre la potion de soin. Une poudre de la mort, de mort, ça aurait été dommage de la laisser là. Ouais, mais là, j'ai plus de place dans mon inventaire. Je regarde juste un petit peu, je suis curieux. Oh, une boule jaune! Au secours. C'est un ennemi ou... J'ai été trop curieux. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qui est moins utile, ça? Puisque la poudre électrique, j'en ai eu zéro avant. Ah, il y a les jarres ici, j'avais pas vu. Ouais, t'as vu la boule d'énergie? C'est une attaque suicide, j'ai l'impression. J'ai pas eu les dégâts, du coup, mais... De plus on descend, plus il y a de... de monstres et d'attaques différentes. Non, les poudres, c'est juste au-dessus. Voilà. Là, j'ai une seule poudre électrique. Ça aurait été dommage de la laisser au sous-sol. Là, on pose... si, les ailes de chauve-souris, j'allais dire rien du tout. Et il me reste les graines d'oignon, la ferraille et l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, c'est quelque part ici. Graines d'oignon et la ferraille, c'est dehors. Il y a une belle tête, ton perso, dans ton inventaire. Comment ça? Ah, juste ici. Ah, il a une belle barbe, hein. Puis toutes les petites icônes aussi, il a une barbe, là le journaliste, on la voit bien. Bon, sauf l'apiculteur. Le dramaturge aussi. Tous les états. Ah, serpent arrive. On s'est pas pressé d'aller à la ville. Parce que aller à la ville pour récupérer mes pièces d'argent pour pouvoir acheter le certificat comme quoi je suis aristocrate pour que Mademoiselle Charme veuille bien donner enfin non c'était quoi non ça c'est pour elle pour qu'elle puisse, c'était sa mission à elle, pour qu'elle puisse aller, pour qu'elle me déverrouille, je crois, pour qu'elle récupère son collier ou qu'elle me déverrouille l'accès au fort, qui est, vu que tu connais moins, que t'as pas tout suivi, qui est ici, là il y a un fort, je crois qu'on peut y accéder, pas pour le moment, et pareil, la ville ici, la seule fois où j'ai essayé d'y accéder, il y a un éclair qui est apparu, je me suis fait one shot. c'est pas duré trop longtemps. C'était pas très douloureux. Quoique. Serpent, il voulait quoi déjà? Je l'ai oublié lui. Non, il veut la pomme d'or. C'est pour ça qu'on va dans les sous-sols d'ailleurs. Faut aller au niveau moins 15. Et vu que j'ai pas forcément rushé ça, j'y vais maintenant. Graines d'oignon en or. Rien que ça, j'aurais pu me prendre et remonter tout à l'heure. Ok. Donc la boule d'énergie.
tout cas, ça s'esquive très facilement quand c'est tout seul. Voilà. Et c'est bon, j'ai encore un peu de place. Le bâtard, l'éclair, ouais. Il fonce et après il se suicide, quoi. Et y en a un là. Pour une fois que je le vois avant qu'il commence à me foncer dessus. J'ai pas esquivé de grand chose. Je me suis dit. Je vais passer de l'autre côté et puis. De toute façon, en faisant mon combat. Ça devrait aller. Alors lui, est-ce qu'il est dans sa cage ou pas? Hop, plus d'énergie, plus d'énergie. Plus d'énergie, ça veut dire qu'on... qu'on mange un beignet. Et quelques bières. Deux bières, ça ira bien. Parce que les... Comment dire? Le... Quand je prends un oignon, ça me donne l'effet... Hop là, que je remonte... soif de bière, la bière a bien meilleur goût maintenant. À chaque fois qu'on prend un oignon, et du coup, la bière augmente, régénère un peu mieux les PV et le... Oh punaise, j'aurais peut-être pas dû foncer comme un gros bourrin. Ça fait des dégâts. Un peu de bière. Ça gêne pas beaucoup les PV, mais un peu de bière quand même. Ouais, j'ai deux espaces, je vais essayer de paramoter les mouches. Ah, j'ai une potion. Ouais, mais non. On va remonter, on va reposer. Le mec se bourre la gueule pour combattre. Attends, là j'ai de la bière en trop. Et grâce aux oignons, ça me donne envie de le faire. Mais sinon, je me prenais du vin. Et de qualité médiocre en plus. Et ça, j'en ai pris pas mal. Oui, bah non, j'ai pas pour toi, serpent. On a dit. J'ai au moins un peu de... poudre à disposer dans l'armoire, enfin sur l'étagère plutôt, et râtelier d'alchimie, voilà. Les ailes de chauve-souris, c'est ici. Les gelées bleues, c'est là. Les toiles d'araignée, ça c'est en haut, ça c'est en haut, ça c'est en haut, ça c'est en haut, et ça aussi, ouais, donc tout le reste est en haut. Ah. Oh. C'est encore un livre vert qu'il a fait. Alors que le vert, j'ai déjà beaucoup de technologie vert en RAM. Un barbu alcoolo qui va tabasser des chauves-souris dans la cave. Bah ouais, non? Tu penses pas? Il y a des araignées là. Les araignées, ça va, c'est assez facilement esquivable. Les... Comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Les trucs en armure qui te foncent dessus et qui te zigouillent en deux-deux, c'est beaucoup plus embêtant. Si, c'est un beau programme. Ça te plaît. On pose ça, on va poser ceci aussi, les graines, oh, je pensais. Les graines, non, hop là,
ça à poser. Et on peut y retourner en utilisant la potion de soin. D'ailleurs, j'ai combien de technologies là? J'ai 27 de bleu et 197 de rouge. Et plus de 500, presque 600 de vert. Serpent s'en va. J'ai bien. Oui, il faut que je mange. Enfin, que je boive la potion. Voilà. Et j'ai autant d'espace que juste avant. Donc, on va retourner dire bonsoir à nos amis les mouches. Non, c'était pas à droite, c'était ici et là-haut le tas de mouches. On va commencer par en bas comme souvent. Oh voilà ces trucs là qui courent et qui te donnent un coup qui fait énormément de dégâts là. Quoi ça? Technologie requise. Ah bah bien. Ah bah bien. Quelle technologie il a besoin? Oui, les chevaliers. Mais c'est des chevaliers qui courent vachement vite et qui ont des sortes de... lame à la place des bras, pas en plus. Du coup, récolte de diamants au donjon niveau 8. Et voilà pourquoi je n'ai jamais reçu de diamants de la part de mes zombies et que j'ai dû en acheter. Ok, c'était bien une... un cul-de-sac. Un peu de... d'oignon et de la pierre, voilà. Même si je crois qu'au final, l'oignon ça rapporte pas mal en fatigue mais pas en PV. Et la bière que 5. Ouais, c'est beaucoup plus rentable de prendre le vin en... pour des PV. Non, j'ai pas de bouclier en soi, j'ai une armure en acier, j'ai l'épée et j'ai des outils. Mais c'est tout. En plus, il prend 3 coups à se faire dégommer. Ce qui est 3 de trop. C'est bien, il y a les poudres qui me suivent sans vouloir rentrer dans l'inventaire. Petite poudre. Petite poudre. Elle ne veut pas. Et la poudre de mort là. Ah! Ça fait rien. Si j'essaie avec le clavier. What? Elle est partie à l'autre bout du monde. Non, elle passait à travers le terrain. Elle te troll. Ouais, bah ouais, j'ai bien vu ça. J'ai bien vu qu'elle m'a trollé à rage quit à l'autre bout du monde. C'est ça.
Oh là là. Bon. Bah tant pis. Hein. Du coup, sur moi, ouais, il me reste une place. Donc on ressort. On ira se reposer. Et là, ce qui m'embête, c'est que les 5 ans... Faudra que je me souvienne qu'au niveau moins 8, il y a une gemme. C'est des ingrédients rares, les poutres. En fait, c'est des ingrédients... C'est des ingrédients transformés, quoi. Comment dire? Là, par exemple, j'ai mon mélangeur à main. Je peux lui mettre certains ingrédients de base dedans qui va transformer, lui, en liquide. Et pareil, j'ai un broyeur, là. Le broyeur alchimique. Quand je broie des trucs, ça les transforme en poudre. Et en dessous, j'ai un distilleur qui fait des tubes à essai. Et je dois avouer que je suis pas forcément celui qui aime bien chercher tous les trucs d'alchimie, tout ça. Mais j'ai pas envie de me spoiler en regardant trop le wiki. Du coup, j'ai pas forcément regardé comment faire telle poudre. Par exemple, quand... Je crois que les ailes de chauve-souris, de mémoire, c'est... Elles font du liquide d'ordre ou du... Oui, c'est ça. Liquide d'ordre. Ah, ça, c'était en bas. Du coup... Ouais, t'as raison, garde-toi la surprise. Mais... Alors, quand je reviens, les ennemis, ils repopent pas. Du coup, je disais... Je vais poser ça. Que les... J'ai pas forcément tout cherché moi-même non plus. Et ce qui m'embête un tout petit peu pas mal quand même, c'est que quand... Genre, pour me souvenir... Je peux pas me souvenir, là, comme ça. Tu vois, la fleur blanche... Si je la mélange à la main, je sais que ça va me faire un liquide, parce que le mélangeur à main fait des liquides, mais j'ai pas moyen de savoir qu'est-ce que ça va faire. D'ailleurs, l'herbe à hoquet, je me souviens plus. Par exemple, tu vois, je clique sur l'herbe à hoquet, je fais fabriquer, et là, je vois la couleur, et du coup, je me dis, ça doit être une solution de vie, c'est ça? De santé. Tu vois, et même entre le... La vie, c'est jaune, la santé, c'est vert. Et j'arrive à confondre les trucs, quoi. Faut prendre des notes à l'ancienne. Ouais, mais bon, quand t'es en stream, tout ça... Moins envie. En stream et en plus, j'enregistre les vidéos, donc... beaucoup moins envie. Mais sinon, oui, c'est le principe... Je pense que dans le jeu... Si je l'avais pas fait en stream, j'aurais soit rage quit, soit je me serais pris le temps de faire un alt tab à chaque fois, noter ceci, ça fait ça, les ailes de chauve-souris, ça fait telle poudre, ça fait tel machin. Je me serais pris le temps. Bon, eux, ils ont bientôt fini. Cet instrument de l'ancien temps. Ouais, puis c'est relou le papier, cet instrument de l'ancien temps. Oui. Non, mais de toute façon... Le problème du papier, c'est que j'écris mal, que je réussis à ne pas me relire à tous les coups, ou avoir du mal à me déchiffrer, et tu peux difficilement réorganiser tes notes. Par exemple, au début, j'aurais noté aile de chauve-souris machin à côté, et après, alors que le truc un peu plus idéal, maintenant que je connais... que je sais qu'il y a trois types de choses qui se dégradent, c'est d'avoir aile de chauve-souris, tu mets la ligne à solution, pour en quoi ça se divise pour les solutions, la ligne en quoi ça se divise pour les poudres, et la ligne en quoi ça se divise en distillant, quitte à dire ça se distille pas ici, quoi, mettre un trait. Et du coup, tu peux pas réorganiser tes notes facilement sur papier, quoi.
Et puis, il faut pas le perdre, ton papier, après. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je pourrais me refaire une potion. Non, ce serait bien que... Je vais m'exténuer à faire des rondins, là. Des billes de bois. Il n'y a pas un carnet dans le jeu pour recenser ce que tu as déjà fait? En fait, en général... Enfin, en général. Je vais te montrer en remontant. Quand je fais des... Les mélanges alchimiques, par contre, eux, ils veulent bien se mettre en... Putain, j'en ai fait que 28. Alors, en remontant... Quand je les ai faits, ils veulent bien se... Il y a la recette qui se met à l'endroit où je les mélange. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, là, au début, j'avais cet écran où ben je mets la poudre que je veux. Par exemple, la poudre électrique. Je mets le liquide que je veux, par exemple du sang. Parce que je sais que le sang, j'ai testé avec tout, sauf ben, du coup la poudre électrique. Et donc ça, c'est pour deviner, entre guillemets, qu'est-ce que ça va faire. Donc là, j'ai un point d'interrogation. On va prendre un peu de vin. Du coup, j'ai... Et ça me fait un truc visqueux de mort. Et du coup, j'ai pas la... J'ai rien comme mémoire que ça a fait ça. Par contre, quand... Pour faire des épices... Non, les épices, j'ai eu la recette. Par contre, le jus de zombie, par exemple... J'ai mélangé le sang avec toutes les poudres que je trouvais parce que le Gunther, là, le zombie qui parle attaché au mur, que tu avais vu la dernière fois, il avait dit ouais, le premier je sais plus ce que c'est, mais le deuxième c'est du sang. Du coup j'ai essayé le sang avec toutes les poudres et maintenant que j'ai trouvé comment on fait du jus de zombie, c'est là. Et par contre, le jus de zombie c'est du sang et de la poudre de santé, donc le sang tu l'enlèves des corps des cadavres. Par contre, la poudre de santé, j'ai mis du temps avant de trouver ce que c'était. C'est quoi ça, c'est poudre de vie? Du coup, avec le vin rouge, là, je suis presque requinqué. Sauf que je suis fatigué, ça fait quoi? On perd de l'énergie petit à petit, c'est vrai. Oui, Gunther. Du coup, t'as à moitié les recettes, mais pas pour les ingrédients de base, quoi. L'astrologue. J'ai envie d'aller vendre tout ça à l'astrologue. Donc on va le prendre. D'ailleurs, le zombie, là, il a dû finir de faire les allers-retours. Et là, on va faire quelques clous d'avance. Pourquoi lui, il veut pas... Parce qu'il n'y a plus de piquet. Tu veux faire des piquets. Hein. Voilà, très bien. Vas-y, fais des piquets. Ah. Il lui faut au moins une bille de bois d'avant. Avant. Cadeau. D'ailleurs, pour en faire 100, du coup, il lui faut 10 billes de bois. J'en ai mis 4. 8. Voilà, tout ça, je le stocke ici. Et le reste, ça sera pour les stocks où on crame les cadavres. Voilà.
L'astrologue devrait arriver en même temps que nous, si on part maintenant, donc on va aller lui dire bonjour. Oui, on peut passer par là. On peut se faire un petit détour. Et en plus, récemment, je t'ai montré le truc à deux ingrédients. Mais récemment, j'ai débloqué ça, où il y a trois ingrédients. Et j'ai pas essayé. J'ai pas encore essayé. Mais j'avoue que mettre sur un papier tout ce que t'as déjà testé. Oh, il a déjà fini quasiment ce zombie. Mettre sur un papier tout ce que t'as déjà testé, ça peut être intéressant. 90 pièces d'argent. Et j'ai donc 12 pièces d'or. Je peux donc acheter les papiers d'aristocrate. Alors, commercer. 10 pièces d'or. Ouais. Je crois que je vais refaire ça. Ouais. Utiliser. J'ai combien de technologie bleue? 110, parfait. Enfin. Bon, j'ai un peu triché. Et les musiques sont bien, ouais. Enfin, c'est plus des ambiances, mais... Mais bon, quand ça fait un bout de temps que tu joues, ça tourne un peu en boucle. Je vais pas te mentir, celle du cimetière, elle tourne beaucoup en boucle. Celle-là de la ville, elle est sympa, je viens moins souvent en ville. Et celle-ci, là, ouais. En boucle. Tu deviens fou à la fin, ouais, c'est ça. Bah, ça dépend. C'est surtout que c'est une boucle relativement courte par rapport au temps de jeu qu'il y a. Et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de variété, je trouve. Parfum d'or, ah oui. Non. Ce que je voulais, c'était récolte de diamants, mais en priorité. Voilà. Truc du métier. Bon, la prière d'excellence, je sais pas trop ce que ça va faire. Charpentier. Tu la connais déjà par cœur, la musique, ouais. Charpentier, pas trop non plus. Par contre, le maçon, ça va me permettre de faire des belles têtes de marbre, là, des beaux morceaux de marbre. Et la récolte de diamants pour aller. Pour aller au sous-sol. Au sous-sol, récolter le diamant qui traîne. Hop. Mais sinon, c'est sympa le jeu parce que t'as beaucoup de choses qu'il faut que t'apprennes. Par exemple, tu devines plus ou moins, mais tu les apprends et puis c'est jamais vraiment dans le tuto. C'est un peu dommage qu'il manque un peu de tuto. Mais il faut que j'aille dormir. Mais par exemple là, les parcelles, voilà, je trouvais pas le nom, les plates-bandes vides, elles ont des petits panneaux
Parce que j'ai fait en sorte de... Parce que j'ai mis du... Comment ça s'appelle ? Hop. Parce que j'ai mis de la tourbe dedans. Et j'ai mis de la tourbe en mettant des déchets agricoles dans le... Dans le truc en bas à gauche, là, j'ai oublié le nom. Dans le fumier, voilà. J'ai oublié de poser ça. Et en fait, tu te rends compte que les graines... Par défaut, en fait, tu gagnes pas autant de graines que t'en as planté. Du coup, t'es toujours obligé d'en racheter. Mais juste en faisant ça, tu vois que tu regagnes autant de graines... tu regagnes en général à peu près autant de graines que ce qu'il t'en faut, quoi. Donc c'est pile poil ce qu'il faut. Même si un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Et j'ai pas encore trouvé comment en avoir plus. Ouais. Là, du coup. En vitesse. Faudrait que j'aille manger, mais je voulais faire ça rapidement aussi quand même. Tac, tac. Je voulais me procurer ce jeu. Est-ce qu'il est difficile à comprendre? C'est un Stardew un peu macabre, c'est ça? Ah, même pas macabre. Hein. Bon, un petit peu, il y a quelques vannes, trucs comme ça. Un peu. Mais pas tant que ça au final. Pas tant que ça. C'est... Par contre, à jouer, non, c'est super facile. Tu t'apprends tout petit à petit. C'est juste que t'as certains moments où tu sais pas forcément trop comment faire. Par exemple, pour les potions, tout ça, là, je suis un peu perdu. Et comme je t'ai dit, j'ose pas forcément mettre tout en pause et prendre le temps de bien noter. En plus, quand je fais alt-tab, le jeu, il enlève la musique, donc c'est dommage. Peut-être que si... Enfin, si je le mettais en fenêtre, peut-être qu'il ferait pas ça. Mais bon. C'est pas si grave. Tu embaumes les morts et tout. Tu peux. Que je retourne dans les technologies. Technologie, anatomie et alchimie. Voilà, j'ai embaumement niveau 2 ici. En fait, je viens de débloquer l'étagère mortuaire et surtout la table d'embaumement. Mais j'ai pas encore utilisé. Alors que tu vois, c'est le début de l'arbre. Et à l'épisode précédent, j'ai débloqué ça et ça. Donc pour te dire, il y a des trucs que... Tu vois, il y a tout ça que j'ai pas du tout regardé au final. Mais normalement, ouais, il y a des fluides d'embaumement, tout ça. Et suivant ce que t'injectes dans les cadavres, ça te permet de gagner, de changer la composition, là, le nombre de crânes de chaque, et du coup d'avoir des meilleurs cadavres à enterrer ou à transformer en zombies. Mais ouais, tu peux. D'ailleurs, je pourrais prendre la table d'embaumement 2. Alors que j'ai pas encore une seule fois utilisé la 1. Et des palettes réfrigérées. Ça, j'ai un peu utilisé les palettes, mais pas des masses. Peut-être que les réfrigérées, ça sera plus motivant. Hein. Peut-être que ça ne descend pas le niveau. Est-ce qu'il y a un tutoriel? Un petit peu, il y a un petit tutoriel, mais pas grand-chose. Ah oui, j'allais oublier. C'est le jour de la prière, le jour violet, du soleil violet. Non, celle-là, ça suffit. Et j'ai peut-être de quoi faire les trois statues rapidement. Prononce quelques mots, que l'église est merveilleuse. Par contre, tu vois, ça, c'est...
toujours exactement les mêmes paroles. Même si on change de prière à un moment, tous vos dons sont les bienvenus. Superbe serment. Il y a un petit tutoriel, ouais. Enfin, t'es un peu... Enfin, t'es guidé au début, voilà. Ça fait office de tutoriel, mais t'es vite lâché en mode... Est-ce que ça, je peux le faire? Tiens, ça, je peux l'acheter, mais est-ce que c'est bien de l'acheter? Ou est-ce que je pourrais l'avoir plus tard, gratuitement? Aristocrate. Je deviens aristocrate. Et du coup, je veux mes papiers. Voilà. Ouais, je vais passer par le sous-sol, comme ça je peux reposer la foi et la prière. Non, ici, oui. Ah, beaucoup de foi, ça fait du bien, beaucoup de foi. Mais d'ailleurs, si t'achètes le jeu et que tu y joues en live... Ouais, tu fais beaucoup de trucs. Si tu joues en live, barbu, je pourrais essayer de te guider sur ce qui me manquait et comment y avoir, sans forcément tout te dire si possible. Alors, ça... de lingots d'argent. Alors, ce que je voulais faire, c'était 3. D'accord, non. Alors, oui, maintenant. Marbre sculpté, je vais le faire moi-même. Oui. 1, qualité or. J'ai pas assez de foi, j'ai tout redescendu la foi. Au secours! Non. Peut-être un jour, ouais, ça peut être sympa, mais j'ai déjà tellement de jeux à faire. Ouais, bah pareil. Hein. Beaucoup trop de jeux par rapport au temps de stream. Et du coup, il y a des jeux que je fais hors stream. Suffisant pour ce que je veux. Allez. Est-ce que j'aurai le temps? Alors, est-ce que j'aurai le temps? Ça... J'ai même pas 100% de chance de faire une... Statue qualité or, quoi. J'ai 80% de chance. Ok, c'est parfait. Alors, on va remettre ça. On met X et on dit infini. Et là, on va vite voir. D'ailleurs, je... D'ailleurs, je vais devoir te laisser, je vais aller streamer également, d'accord. Bah, je vais bientôt m'arrêter, hein. Termine bien ta game, merci. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Oui, oui. Donc, à propos de la cathédrale, voici les statues. Votre sainteté, j'ai terminé vos statues. Je crois que celle destinée au cimetière est la meilleure. Oh, elles sont toutes superbes. Ai-je vraiment des pommettes aussi viriles? Tout à fait. Nous allons mettre celle-ci ici, devant l'entrée principale. Ah oui, d'accord. Elle est magnifique. Nous pouvons désormais améliorer l'église en cathédrale. Améliorer la cathédrale. Bien. Elle est assez grande pour être vue depuis les remparts de la ville. Et la sécheresse ne semble pas vouloir se terminer en ville. Parfait. Oh, j'adore mon travail. Son manoir, succès. Bon,
Vous allez devoir devenir un aristocrate à présent. Ainsi, vous pourrez vous tenir à mes côtés en tant qu'égal lors de la grande cérémonie. Mais je suis aristocrate. Oh non, pas encore. Personne ne sera au courant à part vous. Non, cette fois, c'est important. Nous allons avoir besoin qu'une personne suffisamment proche de la cour royale assiste à la cérémonie. Vous voyez, vous devez obtenir des papiers d'aristocrate. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un d'important doit assister à la cérémonie et je n'ai pu trouver personne. Peut-être pourriez-vous demander à votre ami le seigneur inquisiteur. Ce n'est pas mon ami. Allons, ne soyez pas modeste. Il vous aime bien. Ah, le menu derrière qui m'embête, là. Bon, j'irai lui parler. M'embête vachement, le menu. Ah, ah, fabuleux. Allez donc vous trouver des papiers d'aristocrate et une invitation acceptée d'une personne importante. Ah, c'est ça, d'accord. Donc, faut que je retourne voir l'inquisiteur. Oui. Moi, je vais m'occuper de préparer mon discours. Obtenez des papiers d'aristocrate via la boîte aux lettres des services royaux. Ça, je viens d'avoir. Oh punaise, bugué de ouf. Obtenez une invitation signée de l'inquisiteur, ok. À propos de la cathédrale. J'ai les papiers d'aristocrate, oh là là. J'ai dû sacrifier toute ma famille et y consacrer 10 ans de ma vie pour obtenir les miens. Mais vous, vous les avez obtenus si facilement. Vous êtes véritablement un homme exceptionnel. C'est bon ? C'est bon. Partir. Partir. C'est bon. Ah, ce jeu buggé. Mais bon. Il est cool. Par contre, ça va être chiant. Ça va être très chiant. C'est bon. Tac, tac, tac. Plus de papier. Allez. Là, non. C'est ici. Allez, voilà, je pose tout ça, la foi je la poserai là-haut, c'est le jour de Mademoiselle Charme, je vais juste récupérer la gemme, parce que sinon j'aurais totalement zappé qu'il y en a une. Déjà même plus exactement où elle est. Bon, dans une pièce, bien sûr. Je sais plus si c'est la pièce en bas à gauche, je crois. Possiblement. Ou alors c'est totalement ailleurs. Et... non, c'est ailleurs. Je vais refaire tout le donjon. Juste pour la trouver. Là en dessous. On dirait bien.
4 gemmes. Ah bah oui. En gros, si j'avais avancé le donjon dans mes priorités, j'aurais pas eu de soucis. On prend les papiers d'aristocrate, on prend les bijoux et on fait dodo. Les bijoux, on pose les... Bref. Je pose la foi, je garde les papiers d'aristocrate, je prends les bijoux. Je pose ça et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Et du coup, sur ce, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme vous avez vu, on a avancé. On a la cathédrale. On est à la cathédrale, j'allais dire la suivante, mais non. On est à l'amélioration de l'église suivante, la cathédrale. Ah. Je me sens rafraîchi. Bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la série, la vidéo, à aimer la vidéo. Et je vous dis à très vite.